Ya no W la Supreme Television boye mala mu na emission na bino bolinga ka mingi to na chaîne na bino bolinga ka mingi tango bomona ngai ezala ka pona memela bino information na mokola lelo boso mona sima na ngai ba komi commune ya Barumbu lobi te baki na ko balancer pona bino ba video ke bakangi bourgmestre ya commune ya Barumbu parce que azale ko distribuer ba machette pa ya ba kuluna ba bana ko traquer ba wewa auto yebi te ba se ba manifestaki liboso ya palais du peuple likolo ya loi au Yaminaku, projet de loi au Minaku, qui a proposé une assemblée nationale. Babi était bourgmestre à commune à Barumbu, a distribué qui ma machette. Bon, là, qui n'est pas qui commune à Barumbu, et n'est pas qui réseaux sociaux, et n'est pas qui bicycle et belé. Bon, cannabis au Tébi, ma comme Nicolas, les amis coquenne, les amis coquenne, la turbulence, ma comme belé, belé. Tolobi était. Biso tolinga ki to kita sur terrain to ya ko solola na bourgmestre ko yeba est-ce que alala ki na ipekin est-ce que a distribué ki ba machette na bakuluna est-ce que en tout cas événement on est les kaki ndenge ni raison pour laquelle toza awalelo to solola na bourgmestre apesa biso version de fait na ye apesa biso vraie version ou bien version oyaye na ndenge les kaki qu'est-ce qui s'est passé réellement lobby na commune ya Barumbu suivant et on se retrouve tout juste après. 2-1, c'est parti. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Oui, bonjour. Hier, on a appris que vous avez été arrêté suite à une distribution, peut-être en public. On a appris que vous étiez en train de distribuer des machettes, d'après la version qui a circulé sur la toile, à des militants du PPRD pour massacrer les Wewa. Peut-on avoir la version plausible? Ok, merci. Bon, permettez-moi que je puisse... sourire, hein, parce que ça n'empêche pas à ce que je puisse exprimer les sentiments que j'éprouve en ce moment. C'est vraiment regrettable et triste si le pays doit être dirigé et surtout les gens doivent se comporter de cette manière-là. Hier, j'étais en pleine sensibilisation de la population sur ta... Vous savez, le dernier samedi du mois a été décrété dans la ville-province de Kinshasa, samedi Bopeto. Par son excellence, monsieur le gouverneur. J'étais dans l'itinérance avec l'équipe de la brigade communale d'assainissement sous la conduite du coordonnateur Ngalula. Et pendant que vous connaissez tous sous le sobriquet de Ngaloufar, on était en train de sensibiliser la population au niveau du quartier Founa 1, Kapinga et Ndolo, sur avenue Flambeau. Juste après Phoenix, on était en train de descendre pour que nous traversions pour aller au quartier Ndolo, dépasser le carré club, arriver à l'entrée de l'église de l'évangéliste Kabundi Jean-Claude Walesa. Il y a un grand immeuble qui est en construction. Il y avait beaucoup de saleté dehors, le long de leur devanture. J'étais en train de sensibiliser avec mon mégaphone. Mon regard était tourné vers le haut parce qu'il y a un immeuble. L'architecte et les maçons étaient au-dessus de nous. J'étais en train de leur dire... Demain, c'est le dernier samedi du mois. Faites en sorte à ce que quand nous allons passer après 9h, qu'on ne trouve pas de la saleté. Dans le cas contraire, nous allons vous faire payer des amendes. Il faut éviter parce que nous sommes sur la grande artère et les grandes artères doivent être bien assainies et bien balayées. Au même moment que j'étais en train de parler, mon regard était fixé au-dessus. Le vieux Ngalfar était juste à ma droite. Je sens quelqu'un me poignarder, donc me pousser dans le dos. Et il est passé entre moi et le vieux Ngalfar. J'arrête de parler, je regarde, c'était un monsieur qui est devant moi, habillé en vareuse jaune, avec gants, corde à sauter, quelques francs en main, qui puait de l'alcool. Yo Bourkoumès, c'est dans le cacao, le nazuyo. Comme ça, moi, donc, me pointant le doigt vers la figure, ton le cacao, ton zuyo, le lot. Nga Nazali garde rapproché, il y a chef de l'État, la sécurité rapprochée, il y a Nazali major, il y a Kangayo. Toi, tu es en train de saboter le pouvoir du chef de l'État. Tu as réuni les bérets rouges du PPRD à ton bureau. Tu leur as donné les machettes et 40 000 francs à chacun. Je me suis retourné regardant le vieux Ngalufa parce que j'étais accompagné avec une équipe d'assainissement. J'avais au moins 8 personnes. Heureusement que le vieux Ngalufa vient aussi d'arriver. J'avais au moins une affaire de 8 à 10 personnes avec moi. Parce que quand nous descendons sur le terrain, je me fais accompagner de chaque service. Urbanisme, ITPR, environnement, hygiène. Parce que quand moi je parle de sensibilisation, eux aussi, chacun dans son secteur, est en train de mobiliser, les canons vont surveiller les toilettes. C'est pour arriver à faire comprendre les gens d'accompagner cette vision. C'est comme ça que nous travaillons en équipe.
Le monsieur a commencé à proférer des injures. Il est envoyé par le chef de l'État, par le ministre Kankonde. Ce n'est plus le pouvoir de Joseph Kabila. J'étais en mission, comme je viens d'accomplir ma mission, il faut qu'on vienne t'arrêter. J'ai cru, j'ai commencé maintenant à voir que c'est devenu, que ça commençait à devenir sérieux. J'ai dit, toi, m'arrêter. J'étais calme, serein. J'ai dit, ok, avant que toi, tu m'arrêtes, moi, maintenant, je vais t'arrêter en tant qu'autorité politique ou administrative parce que ce que tu viens de faire, c'est l'outrage. Je suis en plein exercice de mes fonctions. Tu m'as trouvé en train de travailler et moi, je suis le représentant du chef de l'État. Mais yoza koza la représentant du chef de l'État, t'es. Vous avez l'autre côté. Derna Benga, ministre Kankonde, il a pris le téléphone, il a appelé. Eh bien, ok, moi, je vais aussi t'aider. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'auditeur supérieur de la Cour d'Or, comme il s'est présenté avec l'étiquette de major, en tenue civile avec arme, mais menaçant devant tout le monde. J'ai appelé d'abord l'auditeur supérieur pour l'informer que voilà, je suis victime d'agression, de menace par un major qui s'est dit sécurité rapproché du chef de l'État. Et au même moment que je parlais avec lui, avec l'auditeur, il a dit d'ailleurs, là-bas, il y a un salaire qui est en soit il y a un salaire qui est en côté, il y a un salaire qui est en régime, il y a Fachi. L'auditeur a bien suivi. L'auditeur a dit ok. Son Excellence, Monsieur le Bourgmestre, j'ai bien suivi. Fais en sorte à ce que la police la chemine au commissariat, qu'on l'entende sur UPV, qu'on l'identifie. Après l'identification, tu vas revenir à moi, je vais te donner la conduite à suivre. J'ai tenté d'appeler le général Kasongo, il était occupé. J'ai appelé le major commandant commissariat Barumbu. Major Willy, je l'ai eu, il était au palais du peuple. Il a décroché, je lui ai dit, voilà la situation dans laquelle je suis, nous sommes à tel endroit, envoie la police parce que j'ai demandé au monsieur qu'il ne bouge pas. Je ne vous cache pas, j'étais accompagné de l'agent de la Kinshasa Bopeto. C'est tous des sportifs, comme moi. Parce qu'il a vu qu'autour de moi, j'avais aussi des gens, parce que j'avais aussi ma garde rapprochée. Il est venu, il a appelé les gens de l'IDPS. Il y a des gens qui restent au coin. Ils ont l'habitude de rester là-bas parler. Ce sont des parlementaires debout. Il les a appelés. IDPS est vivant. IDPS est vivant. Bazi Chimini. Bon, il a parlé. Il a rangé la foule, tala mutoyo mutwa kabila oyo azo combattre pouvoir afachi toluka gaile loto zuyé. Moi je vais l'arrêter. D'ailleurs le ministre Kankonde connaît, on est en train de m'envoyer. Donc l'équipe de la JR, on va l'amener. On doit le démettre de ses fonctions. Il n'est rien tel qu'il est là. Moi je suis major, il a vanté ses mérites de formation, il a été formé en Israël, au Maroc avec GP en menaçant. Je suis resté là calme, j'ai dit à tout le monde restez serein. Et même quand la police arrivait, vous connaissez nos frères, quand quelqu'un parle en ces temps-là, ils commençaient à venir. Même les motards et consorts, ils commençaient à venir en grande quantité. Et la police est venue. Devant la police, il a continué les mêmes bêtises, le même manquement de respect, donc en me dénigrant, en ignorant que je ne suis rien, je ne vaux rien. Je ne suis plus bourgmestre sur l'instruction du chef de l'État qu'ils lui ont donné et le ministre Kankonde, parce qu'il a dit ça de sa propre bouche, devant témoin. Et la police est venue dire que non, monsieur, nous devons t'acheminer au commissariat pour t'identifier. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'il a dit, j'appelle le commandant JR. Il a appelé, bon, sa conversation, nous, on ne sait pas parce que c'était son téléphone. Jusqu'à ce que l'Ops, il a dit, monsieur, ne nous poussez pas à appliquer la force. Tu dois nous accompagner à la police. Et c'est comme ça que, chemin faisant, Kabamba, il a rangé tous les motards et consorts. Il a réuni les bérets rouges. J'ai des preuves. Je vais vous fournir ça. On est arrivé ici à la commune. Vous n'allez pas supporter la foule qui était devant la barrière, devant la commune. Les gens ont raconté, ils ont tout dit. Bon, libre leur choix. C'est par rapport au message que lui leur a donné. Moi, je ne pouvais pas me lancer dans cette démagogie. Je suis resté calme, etc. Arrivé ici, il a décliné son identité. Il a continué à appeler, jusqu'à ce que j'ai reçu le coup de fil du général Silvano Kasongo. Il a dit non qu'il a envoyé son P3. Et au même moment, j'ai vu M. Eliezer Tambou avec sa chaîne. Il est venu avec les gens de la maison civile du chef de l'État, demandant à ce qu'ils le prennent pour qu'ils sortent avec lui pour essayer un peu d'apaiser la tension et qu'on va l'acheminer à cul de droit. C'est ce qui s'est passé. M. Tambou Eliezer est sorti avec le monsieur, avec les gens de la maison civile et le P3 qui a été dépêché par le commissaire le général Kasongo, ils sont allés avec lui, je ne sais pas où est-ce qu'il a été amené. Je suis resté ici à la commune parce que je devais continuer le travail parce qu'on venait de l'assainissement. Après avoir fini mon travail, je suis rentré chez moi dormir. Dans les réseaux sociaux, on a tout dit, j'ai été arrêté, je n'ai jamais été arrêté. J'ai passé une nuit chez moi.
parce que j'étais sous surveillance, parce que ma maison a été caillassée. Les gens sont allés jeter des pierres, ils ont voulu casser, la police est allée intervenir. J'ai des jeunes, des petits-enfants qui sont aujourd'hui traumatisés, qui sont dans tous les états. Ma vie est mise en danger parce qu'il m'a menacé de mort, il va me faire disparaître. C'était devant témoin, devant tout le monde, il l'a déclaré. C'est sur l'instruction du chef de l'État et du ministre Kankonde parce qu'ils sont au courant. Personnellement, je suis très content. Et je suis... Bon, il est mieux placé lui-même pour vous fournir tous ces éléments parce que vous avez des services ici, vous avez l'ANR, la DGM et la police qui nous donnent, parce que moi aussi j'attends toutes ces preuves-là, parce qu'ils ont balancé l'information dans les réseaux sociaux, mais qui balancent ces images-là de toutes ces preuves. Moi personnellement, dans ma vie, moi Guillaume Ilunga, aujourd'hui bourgmestre, je suis né ici à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai étudié à Kinshasa, il y a des gens qui connaissent ma vie. Même dans mon passé, je n'ai jamais été violent, je n'ai jamais été agressif. Je suis sportif, un sportif recommandé, un sportif qui respecte les lois, qui respecte les normes. Je ne suis pas un type de la rue. Et j'ai une grande maîtrise. Il y a même des images. Si vous avez besoin, il y a la population qui a filmé. D'habitude, moi, quelqu'un m'agresse, je me connais. J'ai fait plusieurs sports. J'ai toutes les techniques de nuire à la vie de quelqu'un, mais la première réaction, je me tais, je garde mon calme. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'ici à la police, j'ai préféré me taire parce que je savais qui je suis, où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais. Je ne pouvais pas ternir l'image du bourgmestre parce que le bourgmestre, c'est une institution. Les gens doivent savoir faire la différence. Monsieur Guillaume Ilunga est un individu, mais le bourgmestre, c'est une institution qui représente le chef de l'État dans sa juridiction. Donc, ce qu'il a fait, il aura assumé parce que je suis très content parce que le chef de l'État prône l'État de droit. Et comme c'est son garde rapproché, j'attendrai que l'état de droit qui est prôné par le chef de l'État et que la justice soit rendue. Et aujourd'hui, ma vie est en danger et surtout ma famille. Vous confirmez que c'est son garde rapproché? Il a dit, il a sorti même une carte rouge, comme ça, une carte rouge. SR. On a qui SR. La police, il y a des gens, il y a des gens de la maison civile qui étaient là. L'OPS est là. J'ai dit, il est là, c'est mon aîné, c'est le coordonnateur de Kinshasa Bopé Tongalufar. Il a exhibé ça aux yeux, au vu de tout le monde. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. La population peut témoigner. Maman, il criait tout haut. Nazana, monsieur chef de l'État, Mutati Ndinga, ministre Kakonda, Yebiango, Tolukakayo, le Roto Zuyo. C'est clair, c'est le Lingala. Et monsieur le Bougon, pensez-vous le poursuivre à la justice, d'aller laisser la justice faire son travail? Madame, je suis un Congolais qui a étudié dans des écoles reconnues en République démocratique. Je n'ai pas étudié par tricherie. Je travaille au pays. J'avais toutes les possibilités de rester en Europe et faire ma vie, comme les autres le font aujourd'hui et ce que les autres l'ont fait. Moi, j'ai préféré, après mes études, rester au pays. Je travaille pour ce pays, madame. Et aujourd'hui, je suis au service, je suis le représentant du chef de l'État. Donc, si vous pensez que moi, je vais laisser passer cette histoire, jamais. J'irai pour déposer plainte. Je veux que la justice nous départage. Je suis très content, comme c'est... Il se proclame de la sécurité rapprochée du chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même prône l'État de droit. Moi, personnellement, je ne suis qu'un simple. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas d'argent. Il a dit, il m'a vu avec beaucoup d'argent. J'aimerais avoir cet argent-là et savoir d'où c'est provenu et toutes ces images. Toutes ces... Dans le cas contraire, madame, j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis. Monsieur le bourgmestre, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez un mot à dire à votre population des Barumbu particulièrement? La population des Barumbu, je n'ai rien à dire. À Barumbu, nous avons un slogan, Barumbu Ekoyate. Barumbu est égal à saleté. Barumbu, il faut y se développer. C'est le slogan des enfants de Barumbu. Nous avons été dirigés, Madame Fouine. Beaucoup d'années, Barumbu a été dirigé par les non-natifs de Barumbu. On ne connaissait même pas les bourgmestres. On avait difficile même ce bureau, même cette lampe. Il n'y en avait pas, même la chaise. Il n'y en avait pas. Nous sommes venus, nous sommes en train de vouloir moderniser, remettre de l'ordre. Je ne suis pas habitué à la tricherie. Les gens veulent à ce que Barumbu redevienne le Barumbu d'hier. Vous venez, vous avez des documents dans les bars, dans les cybercafés, dans les hôtels. Ici, si vous sortez à côté de mon bureau, vous trouvez l'hologramme juste à côté de mon bureau. Donc pour entrer ici, il faut que tu aies la quittance. C'est le chef de service qui vient pour sortir les documents. Les gens n'aiment pas. J'ai ouvert un compte. Si vous voulez payer les taxes, payez à la banque. Venez seulement avec le preuve de paiement, vous avez vos documents. Je suis l'homme à abattre. Il y a des maîtres avocats qui sont des commissionnaires de documents. Il souffrait que je le dise, c'est une vérité.
Il y a le bourgmestre adjoint qui trafique les documents en mon nom. J'ai des preuves ici. Il signe. Même pas PO. Ce sont des faux documents. Il perçoit l'argent en complicité avec les gens du secrétariat et certains maîtres avocats. Est-ce que ce pays doit laisser de pratiques pareilles? Il fait ça parce qu'il se programme de l'UDPS. Moi, je travaille parce que je suis congolais. Je ne travaille pas sous une connotation politique. J'ai étudié dans une école là où on m'a appris la leçon de morale. On m'a appris la leçon du civisme. J'ai appris à respecter la Constitution. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Parce que je suis en train de combattre l'injustice, le trafic de documents officiels. Aujourd'hui, je dois payer de ma vie, je dois payer pour l'avenir de mes enfants. Monsieur le bourgmestre, nous avons tous compris et entendu ce que vous avez dit. Personnellement, vous-même, vous vous reprochez de rien. Ça, c'est la première question. Pour que toutes ces bavures puissent vous arriver. Et tout à l'heure, vous venez de brandir un document. Pas un document, j'ai des documents. Ça, c'est juste les chantons que je vous ai montrés. Parce qu'ici, j'en ai trois. Si je fouille dans ma fac, vous voulez, j'ai plusieurs de passes. Ce sont des preuves. Exactement. Alors, déjà, avec ce fraude-là, pourquoi pas le décrier avant ou attendre que cette affaire arrive pour que vous puissiez les dénoncer? Non, vous savez, j'ai ma hiérarchie. Si vous allez à l'administration de la territoriale, provinciale, les rapports annuels, ils ont ça. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans le rapport, et le ministre Tengelito, qui est là d'intérim de l'Intérieur et Sécurité, notre patron direct de la ville, ils ont tous ces rapports. On a appelé, on a prodigué des conseils. Parce que vous savez, il ne faut pas seulement chicoter. Nous avons aussi le droit du civisme, d'éduquer, de pousser le Congolais à changer. On a besoin, comment dirais-je, de la qualité, la probité morale. Comme le dit le français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous, on pense que les gens pouvaient changer. Mais les regrets, on constate qu'ils tirent les ficelles dans le noir. Ils veulent assez que l'État congolais continue toujours à souffrir avec de telles pratiques. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'ai pas été formé comme ça. Je l'ai dit tout haut, je l'ai toujours dit, je ne changerai jamais mon discours. J'aime mon pays plus que tout. Pour preuve, j'ai toutes les possibilités. Je suis instructeur FIFA. Cela veut dire que je suis fonctionnaire international. Je peux aller dans tous les pays du monde sans avoir un visa. Il suffit que la FIFA me notifie, m'autorise à sortir. J'aurai le visa dans tous les pays du monde. Vérifiez. Mais je préfère rester en République démocratique du Congo parce que c'est mon pays. Si je ne le fais pas dans mon pays, je le ferai où? Avant que je sois bourgmestre, j'étais entraîneur, j'étais instructeur. J'ai préféré donner la formation à nos propres compatriotes parce qu'ils avaient difficile à travers. Les Congolais n'avaient pas de qualifications. C'est que j'ai dit, allez vérifier à la FECOFA, le président Komar, s'il peut me contredire. Nous nous sommes dit, nous devons donner la qualification à nos propres compatriotes. Quel est le mal que j'ai fait d'accepter de travailler pour ce pays? J'ai fait de mal pour accepter de travailler pour le Congo. Alors, deuxième question, vous n'avez pas répondu, vous vous reprochez de rien. Je préfère que la population de Barumbu vous réponde. Parce que je ne peux pas moi-même me vanter. Je connais qui je suis, j'ai des erreurs. Je suis un être humain, mais pas aller avoir des rancunes. Renseignez-vous à Kinshasa. Allez à l'université de Kinshasa. Je peux citer des noms. Allez voir le sénateur Denis Kambay Tshibombo. C'est mon collègue, on a étudié ensemble depuis l'université de Kinshasa. L'ancien ministre de la coopération John Kwet. Même le coordonnateur Néhémie Milagne. Même au niveau de l'UDPS. Le fils à Bouankiem, l'ancien vice-ministre aux affaires étrangères. C'était mon aîné. Allez au ministère des Finances, M. John Kitungwa, l'ordonnateur. Allez, ce sont mes aînés. Il est déduit de peste. Allez lui poser la question si Guillaume était conflictuel, si Guillaume était un violent, si Guillaume était un cacheté, il a une vie cachée. Ils vous donneront le témoignage de ma vie. Pardon. La question au caca. Excellence, nous avons eu le caillou. Tout le monde a eu le caillou. Il y a mal à moi. Il n'y a pas eu perdu. Subalterne, non, il y a eu de fesses. Il y a eu le vice-gouverneur. Té. Maître adjoint. Nalobi koyo kanate. Nalobi boye. Mabe azali kosala. Ngai na tolera ki angote po ezali mibeko, ezali instruction. Lelo na commune ezali instruction oyo eyaki utaki likolo epa mokonzi ya ville. Na niveau ya entité de décentralisée territoriale, il n'y a qu'une seule signature qui peut engager, c'est le bourgmestre titulaire. Mais adjoint na ngai azali na clic na ye. La secrétariat na batumusu bazali banda ba mesana kuya kosala ba faux documents.
les faits ce qu'on a dénoncé na zo kanga na komi lo mabattre hier ce qu'on a battama na sima ya ki militant a IDPS mama IDPS est parti à bavoyote IDPS est parti à tricherie. Est-ce qu'on peut continuer à salir l'UDPS na ba pratique ya boy mama le lot za ba congolais to banda ko gérer Congo sur base ba parti politique te. Moi qui vous parle, j'ai combattu pour l'UDPS quand j'étais étudiant. C'est vérifiable à l'université de Kinshasa. Natangi Denis Kambay, Natangi John Kwet. Tout n'a pas été l'université de Kinshasa. Natangi Baribaba Biabouz, Natangi Banemi. Tous avant PPRDIA, tous on était des membres de l'opposition. Le meilleur parti de l'opposition à l'époque, avant le régime Mamoud, c'était quel parti? Moi j'ai l'époque de la démocratie en 90 parce que Zagi, pour une présidente, c'est en rotation. Batsou Baye Bagate, Naza Nakarte Nangaye. Mais RPPDI, je suis libre d'adhérer n'importe où, mais je travaille avec la casquette, je travaille comme autorité politique. Awana Barumbu, maman Boko Tuna, ce qui est le même na Fishaka et le Kouana. Et ça, c'est parce que je suis un lobby. Je suis un lobby. Même si je suis un lobby, je suis un lobby. Je suis parti à lobby. Pour nani, pour la liste à côté. Pour nous, je suis un lobby. Je suis un lobby. Bakwalufu Batambe Fabrice Batwambe avant d'être na ministre Kankonde po ya kokanganga iponga ina zo combattre pouvoir à chef de l'état na zo kabola ba machette na ba béret rouge à PPRD awa na nini na commune Barumbu albina salage renyo awa na maison communale je crois que ba service ezali alobi azana ba preuve bino boza ba panzi sangote. Après ça, preuve à la kisa, parce que ngai pe na zozela après étape yo to ko leka na étape mususu na za pe na ba mikolo na kusona bango na za pe na ba avocat na za pe na hiérarchie na niveau ya administration to ko yeba conduite ni na tenir mais ngai na zozela ya ko la kisa ba preuve wana parce que na moi na réseaux sociaux bazo tielanga ba machete ba kulu na banini mais baza bana Barumbu te mais biso bana Barumbu elingo ko ba vienga lufara za kuluna. Donc vienga lufara avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel aura civisme c'est un notable. Donc, il y a un patient de coordonnateur, il y a Kinshasa Bopeto, tout ça qui est là. Donc, il y a un peu de temps. Maman, au moins, qui veut se débarrasser de son chien, la crise de rage. Maman, est-ce que ce qui est là, c'est le bourgmestre et que l'on a une nationalité congolaise, Naza Congolais, maman, Nazan a plusieurs casquettes. Nazali, professeur d'université. Peut-être que vous avez Nazali, professeur d'université, qui est dans l'Institut national de sport, na 20 mai. Nazali, professeur. Pour Nazali, expert en éducation physique et sportive. Donc, Nazali, Moutou, na tangi saka, na été élu à l'Ikolo. Nazali, Moutou, à science. Le titre de professeur s'arrête après la mort. Je suis professeur à vie. Qui peut venir m'arracher mon titre de professeur? Le bourgmestre, c'est un mandat, c'est un temps. Est-ce que je peux m'accrocher? Mais tant que nazo sala musala, na commune na biso. Parce que yo ya ko la tsanga makamba lokuta. Ndengo na tombi adage wana qui veut se débarrasser de son chien, l'accuse de rage na sans wana ya ya kwa kizenga ki kuluna. Botu na bato Barumbu. Na Barumbu, na vandi na veni Kongolo, na vandi na veni Kitega, na vandi na Mukelenge, lelo na zana veni Kalembelembe. Bole kana ba veni wana plastika na koleli, plastika na koli na vandi, botu na batu. Songa zaki, violence songa zaki kuluna. Na ptangi ba veni, pona kula biseke na vandi na Barumbu, na koli na Barumbu. Boke ni kutu na bangonyosi, bagoye bisabino. Mwana mboka kiyomilu, mtuna suka na Lingala, na bakongomani maloba kamae ni nana kapambati. Infraction to roba, bebe koyaki, altercation de selimaki, yibisabiso na Lingala. Le fait que je pointe du doigt comme le vocabulaire, Babéro Rouge va marcher. Yomoko, en tant que responsable de la commune, il y a Barumbu. Vous avez reproché de l'eau au Mokoti. Comment il n'y en a pas battu?
Non, ça s'appelle l'économie, mais c'est le bourgmestre. Non, il y a 40 000 francs. Au sol, il y a un peu de couronne, il y a un peu de couronne, il y a un peu de couronne. Il y a un peu de couronne. Il y a un peu de couronne. Il y a une facette, monsieur. Andéora qui bourgmestre, c'est un serviteur de Dieu. Nazali serviteur de Dieu na église de la louange et pas ya papa ngalasi. C'est pour vous dire que na te ya kabatu lilo banzambe. Ngai personnellement nazako se reprocher ne loko moko te na tie maboko na ngaboy. Oya komona ke azana likambo ya ku condamnenga bino moza ba panzi sango. Ale kazana droit à liberté ya ko lebokeno to reprocher boye aboma kabatu boye abeta kabatu boye asala boye sincèrement na tie maboko na ngaboy. Na se reprocher nanga nelo komote et puis de deux makama misolo papa toute vérité n'est pas bonne à dire na zakutu na posa ya mbongo wana uzotanga wana so ba pesi nganga lelo e kosunganga na misale belé ya senisma nga na zona pesa bato 40 000 francs donc ça veut dire ba pesa nganga mbongo belé parce que nani na pesa kinga yango wapi pe na ernin mbo 40 000 francs mbongo belé si on a zui 40 000 francs tu peux s'accabana na biso assainissement 5 000 francs na pokwa. Si on a 40 donc j'aurais utilisé combien de jeunes? 8 jeunes. Parce qu'on a pensé combien de colonnes? On a pensé 1000 colonnes. Na barumbu. Mais mon frère, bino moza ba pansisango na zo senga, bo sungangai, bo kende veri na pa ya ye moko Fabrice, poza connu a ye bani na milieu ya sécurité pré poza ki na carte. A kenda pensé bino ba elema wana na ba preuve wana, parce que bino moza ba pansisango. Bolobaga boyoka côté de toi mon côté après ça bino ba preuve wana bo confronter comme ça lobby ngai pe bakanga ngai donc ba ba bakanga ngai nan bakanga ngai po bakanga ngai pété po na bakanga ngai pété po na yebi loko mon côté mais aya na ba preuve wana mais ce qui est exacté naza mwana mboka Congo eza ya mutu te mutako bangisa nga na Congo te mutako bengana nga na Congo te je le dis et je le répète eza maloba ya mokonzi ya mboka. Il prône l'état de droit. Et quoi il a chargé la sécurité na ye, na ko senga na mokozi ya mboka à faire appliquer l'état de droit à partir de monsieur Fabrice, waza agent sécurité na ye. Nanga e photo samba. Pour le famille nanga e komi na danger. Bananga ba komi traumatisé, na komi sali. Na kondi makozala sali na kambo na yebite. Oh, batanga mkomba mokozi ya mboka pam pam bate mon frère. Est-ce que depuis nga na bandi, na za représentant chef de l'état? Est-ce que qui place nga na tangie na musala nanga mais hier à brandir combo ya chef de l'état na ya ministre Kankonde na balabala devant témoin papa Congo eza ya congolais ata soki na za musali na nzambe na kati na bibabi rendre à César ce qui est à Dieu ce qui est à awazali kambo ya ko blanchir combo nangai identité nangai na personnalité nanga et puis surtout image à chef de l'état tout songo makambo la légèreté. Parce que est-ce que nous pouvons tolérer bah dérapage à Batou et Bazo Sala pour un combo et chef de l'État, un combo IDPS? Moi, j'ai beaucoup de respect na parti ou na pe na chef de l'État. Alors, le kola yé, à Tangi Bango, naza nanga na problème na yété, naza na problème na ba militant IDPS, ngai lelo, peut-être, na koko banda kozala na moi inquiétude, na monsieur Fabrice, pour yende moutaye vernga, aye na makambouana, comme ça justice au chef de l'État, au problème d'état de droit, et de partager biso. Na koza na consolation, parce que, le long de konanga, nga na vandia, ou ebi place famille nga eza, na zana bana mike, babette lacrymogène na bana mike, madame azagi nanda koute, sko bana wana bakozonga kofanda nanda kouana, sko bana nanga baza la sacrifier pour na, eh monsieur Fabrice, papa te, te. Même à son habit, Naza, Mosaï, Nanzam, le loboche bananga wapi. Je ne peux pas sacrifier l'avenir de mes enfants à cause de mon poe. L'État, il faut le lo à remettre dans la droite. N'est-ce pas? Parce que, n'a pas de mis, mais bananga. Tosan, le lona, c'est sur le plan psychologique. Banabako, on a un traumatisme. Bon, on a commis un dako, comme on a la figue. N'a pas perdu bananga. Donc, quelque part, ils ont nécessité bananga, mais mérité aux ananas soins. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je donne cours de psychologie. Mes enfants doivent être suivis par un psychologue. Parce que je n'ai pas comme une psychose. Mes voisins vont pointer le du doigt. Tu as un bon tu as violé. Je n'ai pas de bassi. Tu as un bon tumba. Je te remercie. Contrairement à ce qui est en train d'être raconté dans les réseaux sociaux. Maman, tu as en pleine sensibilisation. Dengue Mukunda Otukoloba. Curieusement,
mais c'est Bakaloufo, Batouambe, Fabrice, garde rapproché, il y a chef de l'État, aïe, qui interrompre Moussa Nabisso, a bandé comme menacé, Bourg Moussa Pinaïlongi. Yo, osé l'autre côté, nako li Moussa yo, nako sa, non, osa rien yo. Mukonzatikali calme, n'enga ici bino, a sali premier pas. Deuxième pas à Zongi, à l'objet de Kanga Mokonzi. Mokonzi n'a qu'à Mabile Naye, ils sont en pleine sensibilisation. Mokonzi a une normalité. Abandim Balamo Kolobake, Abandim Balamo Kondike, Mokonzi a réuni Bato. Awa, qui a réuni Saki Babile Rouge, il a peu perdu. Après, si Bangon Bongo. Et Azagina Maloba, Siki Sikite. Abisoko Saliango Lelote. Donc, hier vendredi, c'est que. À Salé Kiango jeudi. Or, depuis mercredi, Naza responsable coordonnateur à Kin Bopeto, na Barumbu, Tozaka a un terrain pour nous sensibiliser la population à Barumbu et Messana na Bopeto. Aïe, je suis major, je suis le garde rapproché, il y a Félix Antoine Tshisekedi, pouvoir les associer à Kabila, il y a Bamouva, ah, Nzambe Nangai. Nino. À Balouki, milieu. Et là, il y a un motisco comme on a un officier supérieur, major de son état, d'après les informations tout ça. À Balouki, vers Bande Konabiso Yamoto, à Boaki cri IDPS viva. Bato Yamoto, Bazongisi viva. Base Chimini. Na yebite base Chimini, Zani, na meyuko tout na Balubi, et Zakaka na Katia Barumboa. Yo militaire, ok na ba base chimini ba IDP si viva ndengeni. Tala bande kona biso kaka ba motard tan ba yo ki kombo ya Mokonjambo ka Félix ba ok IDP si viva. Ba tondi ebele, ye mutaza responsable ya rumeur wana ki ba kaboli mbongo. Muta perturbe ordre public se messie Bakaloufo Batouambe Fabrice pour avoir mobilisé bande kona biso ya weyo. Donc, Bourgoumès, à Kabolimbo, on a montouté. À Salaki Réunion, mon côté. Sal Nabiso Bokoutiango, Yako Kangama. Et Tigali Kofungwa, na Mokolo, mon côté. Ba service à renseignement, yon sonde Mokondarobi, et Zana Commune. Renseignez-vous. Vraiment, nous sommes en danger. On commence par le Bourgoumès. Que la présidence de la République, ba service à renseignement, présidente de la République, je vais m'occuper de M. Fabrice. Pour le quoi, il faut que je sois à Barumbu. Je vais éviter. Donc, je vais aller à tous ces gens qui sont en train. Parce que nos vies sont en danger. Mais c'est une fois qu'on fait ça à la population à Barumbu. Ok. T'attends à Barumbu, Barumbu. Barumbu. Boyebi. Cri Nabiso. Tous en Barumbu et Koyate. Barumbu développement. Baonyon se va vivre qui le camp. Tosengi na bino kimia. Uwe wasala musala na ye. Kopwente ete, komenase ete. Kimia ezala, kimia ezala. Kimia na Barumbu, kimia na Villa Kinshasa. Donc tosengi vraiment calme, 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 calme. Na neuf quartiers na biso nyonso ya Barumbu. Laissez-les travailler calmement, ils sont dans leur boulot. Justice ekoye banako de partager son excellence, monsieur le bourgmestre Guillaume, na monsieur Bakaloufo Batouambe, merci à la presse. Merci vraiment. Merci. Monsieur Bouti Bongo na Kolanda, bourgmestre Guillaume Ilunga, wazali bourgmestre commune à Barumbu, bomona ki commerce que lobby ba vidéo ba ki na ko circuler, apesi version de fait na e commerce que ma union se les kaki, ba accusa ki e ke ye a yiba ki na ko remettre ba machette na ba kuluna, bo ba na ko traquer ba wewa ba landa ba wewa ba kata ba wewa, suite ya événement we zala ki na palais du peuple commerce ko ba manifestant ba zala ki, alors ba accusa ki e ba lobby ki e azo pesa azo remettre ma
Machette Bolandi Lolenge ya lobi moto oyo ayiki liboso na ye alobaki azali garde de la République, garde ya président ayiki ayi siye ke to lukaka yo to lelo to zio to kokata yo mutu to kosala boye to kosala bambele bele Lolenge oyo ya lobi biso to linga toujours kokita sur terrain ko sur la bino vraie information parce que l'information c'est à la source to linga yo kate o bato balobaki balobaki peke na réseaux sociaux ka lali na ipekin mais yele di alala ki na ndako na ye bana na ye lelo basa traumatisé bana lelo basa na ba mambe bele bele sengeli ete justice et salema chef de l'état zo prône état de droit soki moto wana azali congolais o azali na azape na besoin justice ezala simane esengeli ete bakata makambo équitablement to ye banani azali effectivement de ko Fabrice et afin que oyo azali autorité municipale ya commune Bakumbu azala récompensé to ay bana kozonga na droit na yeto ba bana ko pesa ili memia o bakoki ko pesa na autorité municipale ya commune moko songolo. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Ya monaka bwana bino bandeko bo s'abonner na Diana W la Supreme Télévision ba o bazala ki abonné ba se réabonner parce que tozala ki victime ya piratage ba piratage biso tozo senga ka na bino to lancer ba message ya détresse de sorte que bozo ba lesusu parce que awa de sa bino to kolanda réseaux sociaux te biso terrain to kiti terrain bomoni bokomesa sana simana lo lengeni ni alobi. Merci beaucoup.